disent je vous souhaite la bienvenue comme vous me souhaitez la bienvenue aussi au nom de Jésus. Que c'est merveilleux d'être à nouveau ensemble. Le Seigneur va faire de vous des Esaïe au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous te glorifions, te remercions parce que tu nous maintiens en vie pour ta gloire. Nous prions que cette parole va prospérer dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous venons dans Esaïe chapitre 6. Lisons du verset 1er. L'année de la mort du roi Esaïe. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ici, quand il dit « Je vis le roi ici », il parlait d'Esaïe. Esaïe avait vu l'Éternel assis sur son trône. Et il dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2 dit, ici il parlait de la vision qu'il a eue. Il dit la gloire. Et il parlait de cette gloire et il dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Il a vu la gloire et la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il a dit au verset 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. » Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » n'a montré ici la pensée ou la vue de la Trinité. Même quand la parole nous dit « Qui ira pour nous ?» il parlait ici de la Trinité. Les trois en un, elle dit, ils ont crié et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voyez le verset 4. Le verset 4, il nous dit, et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5, voilà ici la déclaration d'Esaïe. La confession d'Esaïe, le désir d'Esaïe. Il voulait être pur, il voulait être lavé, il voulait être purifié et apprêté, préparé pour le service du Seigneur et pour l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée. Et dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, il dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7, il dit, « Il en toucha ma bouche. » Et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé et ton péché est expié. » Quand vous voyez Esaïe, vous voyez la Bible en général, vous voyez, il y a deux formes. Le péché a deux formes. Le péché au pluriel, ce sont les péchés que nous commettons. Le péché d'omission, la transgression, l'iniquité. Elle dit, tout est péché. Et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le péché au singulier, c'est la racine même, c'est la dépravation dans le cœur, c'est le péché à l'intérieur du cœur, la déviation du standard du Seigneur. Le péché au pluriel, c'est, nous avons reçu le pardon de ce péché au niveau du salut. Mais quand c'est le péché au singulier, lorsque ce péché est arraché, déraciné, on se réfère à la sanctification. Et donc, après cette expérience de la sanctification du péché ôté, arraché, il nous dit au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Qui enverrai-je l'unité de Dieu ? Qui ira pour nous ? »
qui marchera pour nous. Ça, c'est la pluralité dans la Trinité. Trois en un. Trois, la Trinité. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui marchera? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur pose encore la question aujourd'hui. Il a encore des projets, la commission. Il a encore la grande commission qu'il veut que nous portions dans le reste du monde. Et il nous demande, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Nous, il nous faut répondre comme Esaïe, me voici, envoie-moi. Nous devons nous identifier à Esaïe, avoir la même expérience qu'Esaïe. Nous devons avoir la déclaration, la commission que Esaïe avait. C'est pour cela que nous posons la question aujourd'hui. Est-ce que pour devenir un autre Esaïe? On a souvent fait de moi un autre Élie, Élisée, mais nous sommes, ça c'est les jours d'Ézéchiel. Voici les jours de Joël. Parce que nous voulons faire l'expérience de leur vie. Nous voulons leur puissance, nous voulons leur passion. Que cela soit reproduit en nous. C'est pourquoi le thème de ce jour est devenir un autre Esaïe, le prophète messianique. Devenir un autre Esaïe, le prophète messianique. Il a parlé beaucoup du Messie, de l'Éternel, du Seigneur. Il a parlé de sa conception virginale. Il a parlé de sa naissance. Il a parlé de l'Évangile, le royaume qu'il est venu établir. Il a parlé des païens qui vont placer leur confiance en lui. Il a parlé de sa mort à la croix de Calvaire, de sa résurrection. Il a parlé de son retour, sa seconde venue. Et il a parlé, et c'est la même commission que ça nous a donné, comme il a donné à Esaïe. C'est pourquoi nous disons devenir un autre Esaïe, le prophète messianique. Le prophète messianique, le prédicateur du Messie. Que le Seigneur mette la même puissance dans chacun de nous, afin que, comme Esaïe, nous courons avec l'Évangile. Esaïe chapitre 8, voyons le verset 18. Esaïe chapitre 8, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Moi et les disciples que l'Éternel m'a donné. Moi et les serviteurs de Dieu que l'Éternel m'a donné. Il dit, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel, dans tout le continent, partout. Il dit, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Il nous dit que ce n'est pas seulement, il n'est pas la seule. Il dit, moi et les enfants, moi et le peuple, moi et les fils et les filles de Dieu, que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il nous parle en Hébreu, chapitre 2, verset 11. Hébreu 2, verset 11. Hébreu 2, verset 11. Hébreu 2, 11. Il dit, car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Est-ce qu'il était sanctifié? Bien sûr. Celui qui est sanctifié, celui qui sanctifie. Est-ce qu'il était purifié, préparé? Il était pugé pour un plus grand ministère, mais ce n'était pas lui seul. Il dit, moi et les fils, moi et les enfants, moi et les serviteurs, moi et les disciples du Seigneur, moi et les convertis que le Seigneur nous a donné, nous sommes pour des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. Et il dit au verset 12, il dit, c'est lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 13 maintenant, il parle maintenant, et ceci est pris à partir d'Esaïe. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Cela veut dire que nous venons maintenant dans Esaïe, nous identifions à Esaïe. Et avoir la même puissance, le même esprit, le même appel d'Esaïe sur notre vie aujourd'hui. Devenir un autre Esaïe, le prophète messianique. Nous avons trois points ici. Numéro un, nous voyons la corruption.
la condamnation et la purification du peuple, la corruption. Ce que Esaïe, ce dont Esaïe a parlé, et la condamnation, il a parlé de cela aussi. Il a aussi parlé de la purification du peuple. Numéro 2, c'est la crucifixion et la conquête du prince à venir. Le prince de paix qui a toute la puissance, qui est venu dans ce monde pour que il est devenu le sacrifice, la propitiation pour nous, pour qu'il soit crucifié pour nos péchés, pour nos culpabilités. Et en plus, maintenant, il viendra pour conquérir. Et il a conquéri le péché de l'humanité. Donc, la crucifixion à venir et la conquête à venir du prince. Numéro 3, c'est la consécration et la confirmation et la poursuite du prophète. Nous parlons de sa crucifixion, mais voici, envoie-moi. Il s'est déposé sur l'autel. Et là, l'abandon total, il a donné sa vie totalement, entièrement au Seigneur. Mais voici, envoie-moi. Et la confirmation de sa parole. Vous trouvez dans tout le Nouveau Testament, comme Esaïe a dit, comme Esaïe a prophétisé, comme Esaïe le prophète a déclaré, la parole d'Esaïe était confirmée. Numéro 3, c'est la poursuite de cette parole. La continuation, la poursuite en nous, la poursuite à travers nous. Et la poursuite par ceux qui prêchent l'évangile sans crainte, sans faveur aujourd'hui. Venons maintenant au point numéro 1, c'est la corruption, la condamnation et la purification du peuple. Nous considérons ceci sous trois éléments. Le premier élément, c'est la corruption des religieux. Numéro 2, c'est la condamnation des orgueilleux révélés. Numéro 3, c'est la purification par la purge rédemptive. Nous venons au point numéro 1. Au premier élément ici, c'est la corruption des religieux. Il nous dit dans Esaïe chapitre 1, voyons le verset, Esaïe 1, verset 2. Esaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ici, le prophète Esaïe nous révèle ici à la nation le péché de la nation, la corruption de la nation. Si vous voulez être comme Esaïe, si vous voulez prêcher comme Esaïe, si vous voulez élever le Seigneur comme Esaïe, nous ne pouvons pas garder le silence fermé. Notre bouche ne doit pas être fermée ou garder le silence à cause de la crainte des hommes. Mais nous devons déclarer ce que le Seigneur nous déclare et déclare sur, et concernant le péché du monde dans lequel nous vivons. Et il dit, car j'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3, il nous parle ici, il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà le verset 4. Verset 4 dit, ah, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils sont corrompus de l'intérieur. Et ensuite, maintenant, leur vie, leurs actions, leurs interactions corrompent d'autres personnes. Et leur modèle de vie, tout ce qu'ils font est fait pour corrompre d'autres personnes. C'est ce que la corruption allait d'un à l'autre, de 2 à 4, de 4 à 6, de 8 à 16. Et à cela remplit toute la nation. Parce que il y avait la corruption en eux et la corruption se répandait partout. Tout ce qu'ils touchaient était corrompu. Tout ce qu'ils faisaient était corrompu. Toutes leurs interactions étaient corrompues. Tous ceux-là avec qui ils étaient en interaction étaient corrompus. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Et il dit, au verset 5 ici, il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade.
et tout le cœur est souffrant. Paul dit, mais il n'était plus religieux parce qu'ils étaient religieux avant, mais maintenant, parce qu'il n'y a plus de religion, c'est pour cette raison qu'ils sont corrompus, sont plus, la corruption est rampante. Voyez le verset 12. Au verset 12, il nous dit, quand vous venez vous présenter devant moi, ils étaient toujours présents dans le sanctuaire, toujours participants, présents dans le temple, présents dans la synagogue. Et il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavis? Voilà le verset 13, il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'asseoir aux solennités. Il nous dit au verset 14, il dit, mon âme, hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ils étaient des gens religieux. Bien qu'ils soient religieux, ils étaient corrompus. Combien d'aujourd'hui peuvent dire, peuvent être membres d'une bonne église, d'une église biblique, d'autres églises, et pourtant, aussi religieux qu'ils soient, la corruption, ils sont corrompus dans leur intérêt. Dans leur intention, dans leur action, dans leur cœur, dans leur langage, ils sont corrompus dans leur habillement et dans leur apparence. Et le Seigneur dit, il y a la corruption dans le pays. Et ce n'est pas seulement dans les rues, ce n'est pas seulement parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il y a aussi la corruption parmi les religieux. Il nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, nous devons savoir, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont sauvés, mais les amis proches sont des incroyants. Il y a des gens qui sont venus pour être sanctifiés, mais les amis familiers, à qui ils sont familiarisés, c'est des personnes qui ont un langage souillé, sale, une apparence corrompue, disposition corrompue. Ils seront aussi éventuellement corrompu. Et rien n'est fait, si rien n'est fait, la corruption va balayer toutes les églises et va envahir toute la société. Il dit au verset 34, il dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Sortez de cette corruption et ne péchez point. Il dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Ils entendent parler du salut, mais ne connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu de juger le monde entier. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Il dit, je le dis à votre honte, la honte des gens religieux, la honte des personnes qui lisent la Bible, la honte de ceux-là qui portent la Bible, qui porte la vérité dans l'injustice. Il dit que la corruption est dans le pays et il veut que nous allions au Seigneur pour la purification, pour le pardon et pour la purge. Et dans 2 Pierre 2, verset 19. Ça, c'est des prédicateurs. Ils font la promesse de la liberté, mais eux-mêmes, c'est des serviteurs de la corruption. Chapitre 2, verset 19. Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, ils peuvent parler de la prospérité, de la liberté. Et nous sommes le peuple. Ils peuvent le dire. Et c'est nous qui allons hériter la terre. Ils peuvent aller comme les pharisiens. Mais la corruption est dans leur vie, en privé, aussi bien en public. Et il nous dit ici que nous ne devons pas seulement tourner l'oreille de côté. Nous devons comprendre, partout où il y a la corruption,
il y aura la condamnation. Voyez maintenant le deuxième élément ici. Deuxième élément, c'est la condamnation des orgueils révélés. La condamnation de l'orgueil révélé. C'est devant, à gauche, derrière, partout. Même quand les gens sont orgueilleux, même des gens qui n'ont rien sont égoïstes. Même des gens qui pensaient qu'ils devaient être sur leurs genoux en train de supplier Dieu pour la grâce de Dieu de venir dans leur vie partout. Tout le monde est égoïste. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Il y avait l'orgueil dans le pays d'Égypte, mais qu'ils soient corrompus, n'étaient pas justes. Dieu les a donc méprisés. Tout ce qu'ils faisaient n'était pas agréable devant le Seigneur. Oui, pourtant, l'orgueil était là. Et si vous voyez notre vie personnelle, voyez dans notre possession au niveau des médias, dans notre vie, même au bas niveau, bien que nous soyons seuls, vous pouvez voir même l'orgueil dans tout ça. Voyez le verset 17. Verset 17, il nous parle ici de la condamnation de l'homme orgueilleux. On dit qui a été révélé partout. Il dit l'homme orgueilleux sera humilié. Et le hautain sera abaissé. Et l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Comment est-ce qu'ils manifestent leur orgueil? Comment est-ce que leur orgueil a été révélé? Révélé à leurs voisins, révélé à la communauté, révélé à la nation et révélé à tout le monde. Voyez Ésaïe chapitre 3, nous lisons verset 16. Ésaïe 3, le verset 16. Ésaïe 3, verset 16, il nous dit ceci, dit, l'Éternel dit, parce que c'est l'Éternel lui-même qui parle de la nation, c'est Ésaïe fidèlement qui est en train de raconter la parole du Seigneur. Il dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés, et même l'esprit même, et qu'ils marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. C'est ce qu'il a donné le message. Que ferait Isaïe? Isaïe aurait pu dire, ça ce n'est pas agréable au peuple. Il aurait pu dire, on ne veut pas entendre ça. Mais il a dit, je suis sous l'obligation, sous l'autorité. Voici ce que le Seigneur a dit. L'Éternel a parlé, il dit, les filles de Sion sont égoïstes, orgueilleuses, et qu'elles marchent en le cou tendu, les regards effrontés. Il dit au verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et l'Éternel découvrira leur nudité. Voyez le verset 18, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Ils mettent même des boucles d'oreilles aux pieds. Et les filets et les croissants. Voilà le verset 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures et les boîtes de senteur et les amulettes. C'est certaines choses qu'ils devaient porter, pas à cause d'orgueil. Peut-être que vous portez des choses, peut-être que vous voulez couvrir votre... Vous habillez pas à cause de votre orgueil. Vous habillez pour préserver la sainteté dans le pays, pour couvrir votre nudité. Vous ne portez rien pour exposer l'anatomie de votre corps qui va tenter quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle les croyants s'habillent, c'est que nous couvrons notre nudité de façon décente. Nous ne couvrons pas notre nudité par orgueil ou arrogance
en nous enorgueillissant par une attitude égoïste. Je fais des choses qui vont faire des choses qui vont toucher le cœur des hommes. Ésaïe chapitre 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Et je punirai le monde, pas seulement Israël, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, et les jeunes et les adultes. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Il dit, un prédicateur de l'ancienne alliance qui est très clair dans sa prédication que même les prédicateurs de la nouvelle alliance, les prédicateurs de la Bible même, ouais, ceux qui prêchent la Bible prêchent clairement, directement, et les égoïstes connaîtront quand ils sont, si effectivement ils sont égoïstes, et les hautains le sauront qu'ils sont effectivement hautains. Vers chapitre 14 verset 12, d'Ésaïe 14, verset 12, il nous parle ici de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voilà le verset 13. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Même si quelqu'un ne manifeste pas ouvertement quelque chose, il ne révèle pas à notre voisinage, voici ce que Lucifer faisait, voici comment il agissait. Il avait l'orgueil en lui et l'arrogance dans son cœur. Et il se disait, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Voilà le verset suivant ici, verset 14. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Je ne serai pas sous le contrôle du très haut. Je ne serai pas même rester à côté de lui, comme le fils unique est assis à son côté. Mais je m'élèverai et je serai semblable au Très-Haut. Et ça, c'est l'orgueil. Et le Seigneur dit qu'il va le renverser. Il a été renversé. Si le Seigneur peut faire cela au plus élevé des anges, qu'en est-il d'un homme, d'une femme? Il corrige l'orgueil et il va juger l'orgueil. Et il dit, et nous allons nous examiner comme Isaïe s'est examiné. Et il a vu qu'il est un homme dont les lèvres sont impures et qu'il habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Avant que la purification ne vienne, avant que la pure ne vienne. Numéro 3 éléments, numéro 3 ici, ici c'est la purification par la purge rédemptive. La purge rédemptive, une purification qui est rédemptive, qui nous rachète, qui nous enlève de la, qui nous délivre et nous ôte de la la pollution du péché commis, la purge qui a lieu, pas seulement à cause de ce que nous appartenons à une dénomination qui prête la sanctification, c'est une question personnelle, c'est une question passionnante. Vous devez aller auprès du Seigneur comme il a été au Seigneur et il a obtenu cette purge. Nous devons désirer et avoir faim de cela. Et désirer cette purge. La purification vient à travers la purge rédemptive. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Il dit, malheur à moi, car je suis un homme. Car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Avant de doiter, Esaïe, pensez à ce qui sort de votre bouche. Les langages mensongers, la tromperie, les insultes, les injures, le genre de langage insultif que vous appliquez à d'autres personnes.
pour que vous ne soyez pas sous leur contrôle. Une fois que vous pouvez les insulter, c'est comme si vous avez cette position élevée. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me parler, ils ne peuvent même pas me toucher parce que, ou à cause du langage sale que vous tenez à leur égard. Pensez à vos amis, le genre de conversation que vous tenez, le genre de langage abusif et d'injure ou injurieux que vous tenez à leur égard. Esaïe dit, malheur à moi, la confession doit venir avant la purification, la repentance doit venir avant la rédemption. Malheur à moi, car je suis un homme perdu, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, la vision n'a pas fait d'Esaïe égoïste, ne l'a pas rendu orgueilleux. La vision de la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, des anges de Dieu, ne l'a pas rendu orgueilleux ou à se gonfler. C'est ce que la vision fait à des cœurs non régénérés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne sont pas lavés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas leur nature transformée. Une fois qu'ils voient un ange, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Une fois qu'ils voient une vision, un grand rêve sur Dieu et sur les anciens des cieux, ils deviennent égoïstes. Mais le cas d'Esaïe ici, la vision l'avait amené à voir sa nature de péché. La vision l'avait amené à voir sa dépravation. Et il était amené de confesser, il dit « Malheur à moi !» Verset 6, il dit, après, verset 8, après cette confession, le verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7 maintenant, au verset 7, « Et il en toucha ma bouche. » Ceci était chaud, c'est très très chaud, c'est du charbon chaud, venant de l'autel du Seigneur. Et il posa cela sur ses lèvres. Il n'a pas dit, ah, ça doit être douloureux. Parfois le message vient tout droit à vous et pénètre votre cœur et ouvertement, cela dévoile tout dans votre cœur. Nous ne traînons pas comme ça. Et il apporta ici une pierre ardente afin qu'on soit purifié, afin que notre vie soit changée. Si vous voulez la finalité, vous devez suivre le processus qui nous amène pour parvenir au résultat final. Et il dit au verset 6 et qu'il avait pris sur le verset 7, il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Psaume 51, verset 7. J'ai été conçu dans mon péché. Verset 8, on dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David disait, je sais ce que tu veux, Dieu. Pas seulement quelque chose d'extérieur. Tu désires voir la vérité dans le cœur. Seigneur, je confesse, je n'ai pas la vérité dans mon cœur. Quand j'ai écrit cette lettre, j'ai donné à Uri et j'ai dit, confie ça à Joab. Quand tu donneras cela à Joab, il saura quoi faire. Il savait qu'il voulait tuer l'homme pour couvrir son adultère. Il savait et il confessait cela. Je n'aime pas ce cœur là quand j'écrivais cela. Quand vous désirez, vous demandez, il dit, Dieu, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il avait besoin. Il savait qu'il doit avoir cette expérience avant d'aller au ciel, avant qu'il n'habite sur la montagne élevée du Seigneur. Voyez le verset 10. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 11. Il détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça, c'est une prière.
une personne qui connaît qu'il s'est égaré, quelqu'un qui sait qu'il a été souillé, quelqu'un qui sait qu'il a souillé d'autres personnes, quelqu'un qui sait qu'il a même ôté la vie d'autres personnes, il ne cache rien. Il dit, oh Dieu, comment ça peut faire cela? C'est seulement un cœur méchant qui aurait pu faire ça. Ce n'est qu'un cœur souillé qui pourrait faire cela. Ce n'est qu'un cœur trompeur qui pourrait le faire, faire ce qu'il a fait à Uri. C'est pourquoi il dit, j'ai besoin d'un nouveau cœur. Je dois avoir un nouveau cœur. Il doit y avoir une purification. Il doit y avoir une purge. Il dit, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Verset 14, rends-moi la joie de ton salut. Il a perdu sa relation avec le Seigneur. Il a perdu la communion avec Dieu. Il a perdu la vie que Dieu lui avait donnée. Mais maintenant, il est tombé dans la vallée de la dépravation humaine. Et il dit, maintenant, j'ai besoin à nouveau de ce salut. J'ai besoin à nouveau de la joie de ce salut. Il dit au verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15 dit, j'enseignerai après la purification, après la purge, après le salut, après la restauration. Voyez des gens, ça importe peu, hein. Je vais régler ça plus tard. Je n'ai pas la joie du salut, je n'ai pas la victoire du salut, je n'ai pas aucun témoignage maintenant. Même ceux-là qui sont comme Joab, à qui j'ai envoyé la lettre, il le sait. Il connaît mon état, ma vie spirituelle. Mais ne vous inquiétez pas. Je continue à travailler, je continue à servir, je continue à courir, à prêcher. Non, pas jamais, jamais David, pas David. David a dit, renouvelle-moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Il dit, et ensuite j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, devant ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Ici donc, quelqu'un se conserve pur. Oui. Nous prions que Dieu nous purge. Mais vous devez désirer cette purge. La purge de la convoitise charnelle. Vous devez désirer cette purge. Vous ne pouvez pas regarder, visualiser la pornographie. Et après cela, après, oh Seigneur, puis-je-moi. Il connaît que nous ne sommes pas sincères. Il sait que ça, c'est une prière. Quelqu'un a crié dans le livre, écrit dans le livre, et nous répétons cela. Il connaît ce genre de prière qui est enregistrée dans la mémoire, et que nous répétons cela. Si nous allons prier pour que Dieu nous puge, pour que Dieu nous lave, pour que Dieu nous prépare comme une vase sainte à lui, nous aussi, nous devons nous conserver, nous devons nous éloigner de tout ce dont Dieu doit purger et enlever de nos vies. Et d'ici, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, voyez cela, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Maintenant, au point numéro 2 maintenant. Point numéro 2, nous voyons la crucifixion à venir et la conquête à venir du prince. Ici, Esaïe a prêché le plein message, sa première venue, sa crucifixion et sa conquête et sa seconde venue. Il a prêché toutes choses. Il n'était pas un homme qui sélecte et choisit. Je vais prêcher ceci d'abord. Les gens seront contents avec ceci, mais ça là. Ce passage-là qui a parlé du péché-là, ce passage qui a parlé de la dépravation,
du mal, du besoin de la purification, de l'enfer. De l'enfer doit faire attention à ça. Les gens aiment ceci, ils n'aiment pas ceci. Esaïe n'était pas comme ça. Esaïe a tout donné. Que nous devons savoir pour, si nous voulons être comme Esaïe, si nous voulons devenir un autre Esaïe, si nous voulons être le prophète du Messie, nous devons aller au fond de la parole de Dieu pour tout prêcher qui nous a été révélé dans la parole. Trois choses ici nous voyons. Trois éléments ici, c'est le premier élément, c'est la venue du prince de paix. Le second élément, c'est la crucifixion du prince de la vie. Numéro 3 ici, c'est la conquête sur le prince de puissance. Le premier élément ici, c'est la venue du prince de paix. Il nous dit dans Esaïe, chapitre 9, verset 6. Il dit, un fils nous est né dans Esaïe, chapitre 9, sa venue dans ce monde. Il dit, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il dit, viens. Voilà le verset 6 maintenant. Ici, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est lui, le prince de paix. Esaïe a parlé de sa venue. Dans ce monde, il nous dit dans le chapitre Esaïe, chapitre 53, le verset 5. Esaïe 53, le verset 5. Esaïe 53, il était blessé pour notre transgression. Ça, c'est sa crucifixion. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres sur que nous sommes guéris. Luc, chapitre 2, le verset 11. Luc 2, verset 11. Luc 2, verset 11. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quand Christ est né, les anges l'avaient annoncé, et les gens se réjouissaient que Christ, le prince de paix, est né. Verset 12, et le verset 12 dit, « Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez ?» Il vient de naître. Ça, c'est sa venue dans le monde. Et il dit au verset 12, « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » 13, et soudain, il se rejoignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu. Verset 14, gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'est le prince de paix. Esaïe a parlé de sa venue, de la venue du prince de paix. Du prince de paix. Quand, pas seulement ça, il a parlé de sa crucifixion. Deuxième élément ici, c'est la crucifixion du prince de la vie. Le prince de la vie. Quand il a apporté la prince et la paix, du moins, il a aussi apporté la vie éternelle. Il nous dit dans Esaïe, chapitre 53, lisons le verset 3. Voici la proclamation d'Esaïe. Il nous dit au verset 3, du chapitre 53. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, il dit, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté notre punition. Il a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Parce qu'il est devenu notre substitut. Les péchés que nous avons, il les a portés. Il a porté les péchés que nous avons commis. Il a porté ses péchés.
Il a porté la conséquence de nos péchés pour toi, pour moi et pour tout le monde entier. Et nos iniquités étaient portées sur lui. Il était donc il frappé de Dieu et humilié. Verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Verset 6, ici nous voyons que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Au commencement du verset, nous, à la fin du verset, tous. Il parle ici de tous les péchés de l'humanité, tous les péchés de génération en génération. Christ a souffert pour tout. Et maintenant, tout ce poids était déposé sur lui. Esaïe a parlé de sa crucifixion. Il nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. C'est le prince de paix, c'est le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il était crucifié. Et cela avait été prophétisé par Esaïe. Romains chapitre 6. Romains 6, verset 6. Sachant que le vieil homme est crucifié. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous devons savoir que Christ a été crucifié. Et aller au-delà de ça. Vous devez parvenir au point où vous-même vous identifiez à Christ dans la crucifixion et vous savez que la dépravation à l'intérieur, c'est pour cela pour être libre. Et c'est pour cette raison, et voici la racine même de votre liberté en Christ. Et sachant donc que notre vieil homme, c'est pas, vous connaissez cela, numéro 1, cela vient de la Bible, numéro 2, c'est votre expérience personnelle dans le Seigneur. Numéro 3, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ne soyons plus esclaves, serviteurs du péché. Parce que la racine, la dépravation, l'origine, le premier Adam en nous, ce péché a été détruit. Parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Elle dit au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Quand vous le savez de manière personnelle, quand vous êtes allé voir le Seigneur et vous soumettez profondément, physiquement même debout, oh, votre cœur, votre intérieur est debout et a plié les genoux devant lui, s'identifiant à la crucifixion de Christ, s'identifiant à ce Christ crucifié, et vous avez cette expérience définie que votre personnalité intérieure, crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur n'est pas resté sur la croix. Elle a été dans la tombe. N'est pas resté dans la tombe. Elle est sortie de la tombe triomphalement et victorieusement. Et il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, mais Christ n'est plus à la croix. Mais il est maintenant à la droite du Père céleste. Et je demeure là avec lui. Je m'identifie à lui. Et ce Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Et si je veux avoir les profits de sa vie qu'il s'est donné, qu'il a donné pour moi, il me faut mourir au péché et vivre pour Dieu. Je ne dois pas permettre à un péché quelconque, une apparence de péché, d'assombrir ma chambre, la chambre de mon cœur, de ma vie. Je dois manifester l'expérience que j'ai avec le Seigneur, que je suis crucifié et j'ai été crucifié avec lui. Numéro 3 maintenant, troisième élément, nous voyons la conquête sur le prince de puissance. Qui est le prince de puissance? Vous lisez cela dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, vous étiez mort, rendu victorieux, puissant, fort. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, il dit verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est Satan, à qui on se réfère comme étant le prince de la puissance de l'air. Et quand Jésus est mort, il l'a crucifié. Quand Jésus est mort, Jésus l'a battu, l'a frappé. Jésus l'a détruit et détruit toute sa puissance de Satan. Lui, ce Satan qui amène les gens à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ces fils de la rébellion ne sont pas encore allés voir Christ. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent être religieux, mais n'ont pas été à Christ. Ils ne sont pas allés voir le Seigneur encore pour détruire lui qui a détruit la puissance de ce prince. Et il nous dit dans Hébreux chapitre 2, je vous lis au verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, se référant à Christ. Ici, lui-même, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, sa mort à la croix du calvaire, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et au verset 15, voici ce que Christ a fait en mourant pour nous à la croix du calvaire. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque, dans toute église, quiconque, dans toute dénomination, quiconque, dans toute génération, quiconque, parmi les hommes, les femmes, les garçons, les filles, quiconque est né de Dieu ne pèche point. Quiconque est né de Dieu, il a la grâce pour un jour, pour vivre sans péché. Et s'il peut vivre sans péché pour une heure, pour 24 heures, un jour, il peut vivre sans péché le jour suivant. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est suffisante afin que, pour résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il dit, nous savons par expérience, nous savons par le témoignage de l'Esprit en nous, nous savons par la lumière brillant de l'Esprit sur les Écritures, nous le savons par l'expérience personnelle. Nous le savons. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même. Se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous venons au point numéro 3. Point numéro 3 maintenant. Nous voyons la consécration,
la confirmation et la poursuite du prophète, le prophète Ésaïe. Souvenez-vous, nous parlons de devenir un autre Ésaïe, le prophète du Messie, le prophète messianique, afin d'être en mesure de tenir debout, de tenir courageusement et savoir que ça y est parti. Mais Dieu veut susciter un autre Ésaïe à partir de toi et qui va prêcher toutes choses, la parole, tout ce que la parole de Dieu dit, et qui va dire au monde de la corruption du monde, de la condamnation du monde et de la purification que quelqu'un peut avoir à partir de du sang de Jésus-Christ. Vous devez être en mesure de tenir pour déclarer aussi sur la venue du Seigneur. Il est venu. Et vous devez être en mesure de dire pourquoi il est venu. Il est venu pour nous purifier du péché, pour nous enlever du péché, convertir nos cœurs, enlever notre vie du péché. Vous devez rappeler aux gens, ils connaissent l'histoire, mais il faut qu'ils aient l'expérience spirituelle de la crucifixion à la croix et donc la puissance conquérante de Christ sur le tentateur. Et maintenant, nous parlons de Saïe, de sa crucifixion. Nous parlons de Saïe, sa consécration, pardon, sa confirmation et sa poursuite. Nous voyons trois éléments ici. Numéro un, nous voyons la consécration du prophète sanctifié. Numéro deux, nous parlons de la confirmation de sa prophétie scripturaire. Numéro trois, nous parlons de la poursuite de ses promesses fermes. Nous venons maintenant au premier élément ici. Premier élément, nous voyons la consécration du prophète sanctifié. Voyez Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur. Parfois, vous appelez quelqu'un et la personne pense, réfléchit. Oh, peut-être qu'il va me demander ceci. Surtout quand vous pouvez appeler au téléphone, la personne voit votre numéro, votre nom à s'afficher. Il n'est pas en votre présence physiquement. Il n'est pas dans votre chambre. Il n'est pas au bureau où vous êtes. Donc, il ne saura pas que vous voyez l'appel ou pas. Donc, pensez que votre téléphone est loin de vous. Il y a des gens, ils reçoivent les appels. Ils savent, ils ne décrochent pas. Ésaïe peut même fermer ses oreilles. Il dit, Ésaïe, quand je suis prêt, je vais te répondre. Il y a des gens qui font ainsi avec Dieu. Il va me demander ceci, cela. Et il bloque l'appel. Mais Ésaïe n'a pas bloqué l'appel. J'ai entendu la voix de l'Éternel. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » L'homme savait l'objectif fort de sa puge. L'homme savait l'objectif de la purification qu'il a obtenue. Il connaissait la raison pour laquelle il avait eu la vision, la révélation reçue du Seigneur. Il dit, voici le point culminant, voici la conséquence, voici la consommation de toutes choses que le Seigneur m'a révélée. Il connaissait, il savait que cet appel devait venir et cet appel est venu après que Dieu lui avait favorisé et lui a montré cette révélation. Et donc il a répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Parlons de Christ. Il veut parler de Christ. Chapitre 50, verset 7. Ésaïe 50, verset 7. Verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Il parlait du Seigneur quand le Seigneur viendra. Le Seigneur va donc faire de son visage comme un caillou. Pas de distraction pour le divertir. Quel que soit ce que les gens font ou disent, ils peuvent lui coller des mauvais noms. Ils peuvent dire qu'il travaille avec Belzéboul. Il va juste leur montrer, leur permettre de dire ce qu'ils veulent dire. Ils peuvent même le frapper, gifler d'un côté, il va leur tourner le second. Pourquoi?
parce que il ne permettra pas à la à ses coups, à ses injures, à ses noms, ces mauvaises nouvelles ou ces mauvaises informations de le distraire. Il dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. C'est un, Esaïe était là, un prophète dans le règne d'un roi, deuxième roi, troisième roi, quatrième roi, cinquième roi, Manassé. On n'a même pas parlé là parce qu'il a vécu, il a prêché et il a servi dans pendant cinq règnes, cinq différentes royautés. Et il a continué à faire ça. Et vous voyez, tous ceux qui avaient essayé, vous voyez, il a gardé cette consécration jusqu'à la fin. Et il dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Pourquoi il a fait? Il a fait parce qu'il était, donc il avait été envoyé par le Seigneur. Et à chapitre 20, voilà le cas de Paul, Acte 20, verset 24. Il dit, aucune de ces choses ne peut me distraire. Aucune de ces choses ne peut me divertir. Il dit, verset 24, mais je ne fais aucun cas pour moi-même, aucun cas de ma vie. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, prophète de Dieu, serviteur de Dieu, un autre Esaïe, aujourd'hui, voici ce qui est important pour vous. La paix que Dieu a donnée. Et vous convenez votre consécration à votre appel. Et vous ne serez pas diverti, distrait. Il dit, me voici, envoie-moi. Après 2 ans, tu es tout disponible. Après 10 ans, tu es tout disponible. Ah, et tu continues toujours. C'est ce que tu es ton dernier souffle. Tu es en mesure de tenir. Ici, l'apôtre Paul a dit ici, verset 24. Mais je ne fais point pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous venons maintenant au deuxième élément ici. Nous voyons la confirmation de sa prophétie scripturaire. Sa proclamation, sa parole était confirmée. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Verset 16 de Matthieu 8. Et le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17 maintenant, voyez la confirmation, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. C'était environ après 70 ans, mais ça, après qu'il ait parlé. Mais sa parole ici a été confirmée. Chapitre 12, Matthieu 12, nous voyons le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. La parole d'Esaïe avait été accompli. Il nous dit dans Jean chapitre 12. Jean 12, 38. Jean 12. Jean 12, 38. Jean 12, 38. La confirmation. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il nous dit verset 39. Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire, parce que Esaïe a dit encore. Verset 40. Verset 40, il dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent
du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Cela parle des pharisiens, des sadduciens, et Isaïe a prophétisé les concernant. Il savait ce qu'il allait faire, il savait ce qui serait leur attitude, et sa parole était confirmée. Nous voyons dans Romains chapitre 15, verset 12. Esaïe dit aussi, voyez la vie de Jésus, le message de Jésus, tout ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit sur Jésus fut accompli. Et avec les apôtres aussi, ce qu'il a dit sur leur ministère accompli. Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Verset 13 nous dit, maintenant, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Numéro 3 ici maintenant, troisième élément, nous parlons de la poursuite de ces promesses fermes. Vous voyez, Esaïe n'a pas seulement prophétisé, proclamé, il a aussi donné des promesses. Et ces promesses sont fermes. Et donc, quand vous prêchez, quand vous comprenez, le Seigneur peut faire de vous un Esaïe et vous proclamer la parole de Dieu fidèlement, en toute honnêteté. Vous espérez que les promesses de Dieu que vous amenez aux gens soient en mesure de continuer. Esaïe chapitre 14, verset 28. Le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force. Ça, c'est la promesse du Seigneur donnée par Esaïe. Et cette promesse est encore valable aujourd'hui. Il donne la puissance, la force aux apôtres, à Philippe. Quand ils étaient dispersés, il allait partout prêcher. Il a donné la force, il leur a donné la puissance, la force. Il a donné la force à Étienne, à ceux qui avaient donc espéré en l'Éternel. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit, suivra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et aux extrémités de la terre. Il donne la force à ceux qui sont faibles. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il y a des athlètes terrestres. Ils courent. Certains d'entre eux s'affaiblissent et se lassent avant la fin de la course. S'ils courent en masse, en marathon, certains peuvent même tomber et ne plus se lever. Certains même, quand ils courent autour, ils font une endurance. Certains même au milieu, à la moitié, peuvent tomber et se lasser. Mais la course spirituelle que nous faisons, nous pouvons faire la course même encore 20 ans plus. Nous pouvons encore faire la course encore une trentaine d'années. Vous savez ce que nous avons besoin de faire? Quand vous faites la course, je parle de la course spirituelle, je parle de cette course progressive. Ce dont vous avez besoin de faire, quand vous êtes fatigué, quand l'huile est en train de baisser, de s'assécher,
quand il semble que vous êtes en train de transpirer comme si vous voulez mourir, restez là, debout, et espérez en l'Éternel. Attendez, attendez là, espérez là, espérez là. Et il dit, ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Il va renouveler votre force. Il dit, il prend le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. J'ai perdu mon amen là-bas. Ésaïe 43, verset 2. 43, verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne seras pas brûlé. Et il dit, et la flamme ne t'embrasera pas. L'attitude des gens, ils ont la foi en Dieu, mais lorsque la foi est basse et qu'ils traversent la flamme, ils courent. Ils fuient, ils sont rapides pour sortir vite de la flamme. Mais non, il dit, lorsque tu marches dans le feu, parce que vous savez, le feu, en réalité, n'est rien. Il a créé, c'est le créateur des cieux et de la terre, dit qu'il sera avec toi. Je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te délaisser. Tu n'as pas besoin de te presser, de sortir de la flamme, du feu. Attends, marche là. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont fait. Le premier, le fils de Dieu, sera avec toi. Voyez le verset 7. Verset 7, il dit au verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voyez le verset 18. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Dans ton ministère, je ferai une chose nouvelle. Dans ton appel, je ferai une chose nouvelle. Et sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Verset 21. Le peuple que je me suis formé, Dieu merci, je n'ai pas été formé par Satan. Dieu merci, je n'ai pas été formé pour le méchant. Je n'ai pas été formé pour monsieur tyran. Il dit, mon peuple, le peuple, où est le peuple? Ils sont où? Où est le peuple? Oui, il t'a formé pour sa gloire. Il t'a formé pour sa gloire, pour sa louange. Et toute chose qu'il a dans, à cœur, quand tu étais né, et que tu es né de nouveau, et que tu es béni encore, il va l'accomplir au nom de Jésus. Voyons dans le chapitre 60 d'Ésaïe, Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Voyez le verset 18. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, des gâchis, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire.
tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Verset 19, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et ton Dieu sera ta gloire. Verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Les jours de ta souffrance, de ton regret, de ton deuil seront passés. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Et c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Verset 22, il dit, le plus petit deviendra un millier. Cette petite église va croître. Cette petite cellule de maison va croître. Cette petite assemblée va croître. Et le moindre d'une nation puissante, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Chapitre 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je serai là. Je serai là. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Nous allons prier maintenant. Voyez le verset 24 avant que nous prions. Ésaïe 65. Voyez le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Voici les promesses d'Ésaïe, que Dieu a données à travers Ésaïe. Ces promesses sont fermes. Voilà tout ce que Dieu nous a révélé, afin que vous compreniez, si vous voulez être un autre Ésaïe aujourd'hui, un autre Élie aujourd'hui, un autre Élisée aujourd'hui, un autre Ézéchiel, un autre Joël, un autre apôtre aujourd'hui, un autre envoyé aujourd'hui, vous savez ce que vous avez à faire. Le Seigneur ne va pas vous abandonner, ne va pas vous délaisser. Et tout ce qu'il a promis dans sa parole seront oui et amen dans votre vie. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Levons-nous, parlons au Seigneur dans la prière. Il veut faire de vous un prédicateur confiant, un pasteur confiant, un dirigeant confiant, un prophète confiant, comme Ésaïe. Parlez au Seigneur. Vous savez comment, quand vous avez commencé. Cela a commencé avec Ésaïe lorsqu'il a eu la vision. Et il a confessé ce qu'il était, ce qu'il a fait, comment il a parlé. Il confessa et il a fait l'abandon, il s'est abandonné totalement au Seigneur. Et le Seigneur le purifia, le Seigneur le pugea, le Seigneur l'a pugé, l'a lavé et l'a racheté, l'a restauré et l'a rendu juste. Le Seigneur, c'est le même Dieu. Le Dieu d'hier, des années passées, et c'est le même Dieu aujourd'hui.
le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. Puis-je, moi, par le sang de l'agneau, purifier, lave-moi, et serai plus blanc que la neige. Pas de corruption. Pas de corruption dans ta bouche. Pas de corruption dans ton caractère. Pas de corruption dans tes conversations, dans tes communications. La dépravation qui cause la corruption, la dépravation qui pousse, qui fait d'un homme, d'une femme corrompue, le Seigneur l'enlève. Ces prophètes des temps anciens furent utilisés par le Seigneur parce qu'ils se sont donnés, abandonnés au Seigneur pour être purgés, lavés à la rédemption totale. Se sont abandonnés au Seigneur. À la purge, à la purification cristalline par le Seigneur. Laver. Le sang de l'agneau, lavé à l'intérieur, lavé à l'extérieur, lavé, purifié et lavé de l'orgueil révélé. Lavé de toute souillure. Laver de la corruption de la société. La pensée lavée, le cœur lavé, l'esprit et l'homme intérieur lavé, ce n'est qu'après cela que votre consécration serait agréable au Seigneur. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous?
appelé par le Père commissionné par le Fils consacré à travers le Saint-Esprit qui enverrai-je. As-tu entendu la voix du Seigneur? T'es-tu positionné dans un état d'esprit où tu peux entendre du Seigneur? Qui enverrai-je? Es-tu assez humble, libre de l'orgueil de Lucifer, au point d'entendre du Seigneur, qui enverrai-je? Es-tu si fatigué de l'actuel devoir que lorsque Dieu t'appelle, tu fais la sourde oreille? Je ne veux pas entendre. J'ai trop entendu assez. Je ne veux plus aller. J'ai traversé assez de choses. Es-tu assez sourd à la voix d'en haut? Est-ce que tu t'enterres à la voix du ciel? Te rends-tu sourde? Fais-tu la sourde oreille à la voix d'en haut? Esaïe était ouvert. Esaïe était très attentif. Esaïe était soumis. Me voici. Il n'était pas en un lieu corrompu où Dieu peut dire, mais je ne peux pas utiliser un homme dans cet endroit. Je ne peux pas utiliser une telle femme, un tel homme. Me voici. Où es-tu? Es-tu à un endroit où il y a trop de bruit? Tu ne peux pas entendre. Et il pouvait même te parler en chuchotant des mots. Me voici. Envoie-moi. Je ne sais pas quand est-ce que tu seras envoyé. Envoie-moi. Il ne connaît pas ce que ça vaut, la commission. Envoie-moi! Tu ne sais pas, tu ne connais pas ceux vers qui il t'envoie, qu'ils soient des personnes endurcies, têtues, doux, adoucies, ou des personnes aveuglées par la haine, ou des personnes adoucies par le vrai désir. Je ne connais pas. Me voici, envoie-moi. Donc il avança, il a parlé de l'arrivée, la venue du Christ. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il avança, il a parlé de la crucifixion de Christ. Et ce que cette crucifixion accomplit pour chaque croyant. Prends-tu tout et l'ensemble de l'évangile sur Christ, sa crucifixion, sa conquête? Est-ce que tu te tiens toujours à ça? Aussi longtemps que tu vives. Confie-toi au Seigneur.
soit volontiers à porter la grande commission partout où le Seigneur t'enverra. La consécration la confirmation. Ne dis rien que Dieu ne veut pas vouloir confirmer. Tes propres pensées, tes propres imaginations, tes propres idéologies, Dieu ne veut pas les confirmer. Lorsque vous allez et vous parlez, prêchez la parole qu'il a donnée, c'est ainsi qu'il y aura la confirmation. Il vous envoie avec le message de la repentance, de la rédemption, de la restitution, de la justice. C'est ce qu'il va confirmer, la parole de foi. Regardez, tournez vos regards vers moi et vous serez sauvés. Est-ce que vous allez confirmer? Est-ce qu'il va confirmer du moins la poursuite de ces promesses fermes? Espérez en lui. Confiez-vous en lui. Il va renouveler votre force. Confie-toi en l'Éternel. Il va échanger vos faiblesses en force. Confiez-vous en lui. Ne soyez pas seulement des auditeurs, mais plutôt des pratiquants de la parole. Confiez-vous en lui. Et restez, demeurez en lui. Et vous allez courir et ne pas être fatigué. Vous allez marcher sans être lassé, sans se lasser. Croyez en ses promesses. Vous allez traverser le feu et cela ne va pas vous brûler. Et vous allez donc réaliser qu'il vous a créé pour sa gloire. Vous allez donc expérimenter de nouvelles choses qu'il fera en vous. Et il vous tracera le chemin dans le désert. Et donc, ainsi, le plus petit deviendra un millier. Et le faible deviendra la nation forte. Confie-toi en l'Éternel. Pendant qu'il est en train de parler, et pendant que vous serez en train de parler, il va vous écouter. Lavez des voies du passé. Lavez, soyez lavés complètement des manières de vie du passé et devenez une nouvelle créature. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Père, nous te remercions pour ta parole, te remercions pour ton désir révélé, de ce que tu fais des peuples fidèles, du peuple fidèle enflammé, sincère, fructueux, des prophètes fructueux, des temps anciens, tu veux faire de nous. Père, je prie, nous nous soumettons à toi sans réserve. Fais en nous ce que tu veux faire et aide-nous à être des témoins fidèles aujourd'hui dans toutes les communautés au nom de Jésus. Pardonne le passé. Purifie nos cœurs. Et revêt-nous de puissance. Revêt chaque vase de force et de puissance. Afin que sans faiblesse, sans fatigue de marcher dans les rues, avec l'énergie de la chair, sans faiblesse, nous allons avec la force, la puissance et la vertu du Seigneur au nom de Jésus. Nous avons la parole. Nous avons un monde devant nous à conquérir, à pénétrer, à qui nous devons prêcher. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos entendements, Seigneur. Ouvre nos bouches afin que nous allions dans la force, dans la puissance, dans l'onction du Seigneur pour accomplir et faire des exploits pour toi au nom de Jésus. Afin que des multitudes dans leurs millions se tournent au Seigneur et que la gloire, l'honneur et les louanges proviennent de toute partie du monde. Où vers où nous allons et leur conversion va t'apporter la gloire au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de nouvelles forces, nouvelles visions, nouvelles puissances, nouvelles onctions, une onction fraîche et focalisée afin que des multitudes entendent la parole de nos bouches et te connaissent. Seigneur, lorsque tu reviendras, que des millions, des milliers qui nous suivent, sauvés, pourront dire, si ce n'est pas par la prédication, la proclamation de ce frère, sa soeur, où serais-je? Donc, Seigneur, apporte de fruits à l'œuvre de chacun. Merci Seigneur, aide-nous à ne pas regarder en arrière, à ne pas rétrograder, mais à continuer à pousser, à avancer, à prédominer dans notre ministère, ce ministère grand que tu nous as confié. Merci Seigneur, c'est accompli. Nous allons continuer à avoir des ressources, avoir des résultats dans chaque vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier.